Si toi tu as le rhumatisme, il me dit ok, c'est quoi le médecin? Si tu dis que j'ai le rhumatisme, j'ai le rhumatisme. Il me prescrit les remèdes, j'ai acheté, j'ai bu deux paquets, et ça s'est calmé, mais c'est revenu. J'ai pas vu le soir il y a 10 ans. Et puis j'ai vu, ça s'est calmé, mais c'est revenu. J'avais tellement mal que c'est devenu ma maladie en fait. Donc je faisais l'effort de ne pas rester longtemps debout, de ne pas rester longtemps assise, mais la nuit je pouvais ne pas rester. Pas dormi quoi, donc je me couchais et le matin, il fallait que je fasse un petit sport. Donc tout le temps. Et bon, comme le médecin n'a pas pu me soigner, j'ai dit, ah, je vais rester comme ça, je vais rester avec ça. Et je faisais l'effort de ne pas rester longtemps debout, longtemps assise, et je gérais quoi. Donc il y a un an, je suis arrivée au Canada. Ma soeur en France m'a demandé... elle me demandait de suivre des vies de vie. Et bon, quand j'étais dans mon pays, je ne pouvais pas parce qu'on n'a pas assez de connexion comme ici. Donc, je suis arrivée au Canada, je pouvais suivre des vies de vie comme je pouvais.